Welcome les copains, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo à Rouen, comme vous l'aurez peut-être remarqué. J'ai beaucoup de choses à vous dire et c'est pour ça que j'ai hésité entre faire une vidéo juste blabla et un petit vlog de ma journée. Je me suis dit que ce serait quand même mieux de faire un vlog parce que c'est ce que je préfère sur YouTube et c'est des formats qui se diversifient un peu plus qu'une vidéo face cam. Donc je me suis dit que tout au long de la journée, j'allais un peu vous raconter comment je suis arrivée à rentrer chez mes parents à Rouen, qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai rendu mon appart avec mon copain. Pourquoi je ne suis pas en cours alors que mes potes sont en cours. Un petit peu attendu pour certains, inattendu pour d'autres, donc on va parler de tout ça. Et j'espère que la qualité vous plaira parce que j'ai fait des petits réglages différents avec mon appareil photo pour que la colorimétrie soit un peu plus homogène durant toute la vidéo, donc j'espère que ça vous plaira. Alors déjà, je vais vous expliquer très rapidement ce que je vais faire aujourd'hui. Donc là, il est déjà midi et ensuite, je vais aller chez Noémie pour manger avec elle à pied. Donc voilà, c'est une petite journée très simple. Mais là, ça fait quelques semaines que j'ai pas grand chose à faire et que je le vis pas très bien. Parce que tout simplement, YouTube, je vous les en ai déjà parlé, mais j'ai eu un petit peu un décrochage. Tous les réseaux, ça m'a un petit peu, je sais pas saoulée parce que j'adore YouTube encore. Mais j'aime trop partager YouTube quand j'ai beaucoup de choses à faire, quand je suis dans ma vie étudiante, quand j'ai plein de trucs à faire et juste vous parler de ma vie, c'est pas le truc qui me stimule le plus, enfin du moins pas juste faire une journée avec moi où je ne fais rien de ma journée. J'ai hyper mal au cœur en ce moment, je sais pas ce qui se passe, enfin vraiment horrible, je sais pas si c'est à cause de mes lunettes. Est-ce qu'on peut peut-être remonter à il y a un an? Peut-être, c'est plus important. Je vous avais parlé en fait de notre décision avec Jules de partir faire un échange en Chine, donc OS2. Très sincèrement, ça nous paraissait comme une hyper bonne idée. Hein. Sur le coup, on s'est dit, le reste du monde, ils n'ont pas encore eu beaucoup de vagues, ou du moins pas beaucoup de vagues publiques, donc d'ici là, ils auront peut-être fermé. Comment vous dire que dès cet été, on a vite capté qu'il n'y aurait pas de Chine, voilà, parce que tout simplement, la Chine n'était vraiment pas décidée à ouvrir, et aujourd'hui, c'est encore plus fermé que l'année dernière. Donc, suite à cela, notre école nous a proposé de partir autre part, mais c'était en Europe. Je vous avoue qu'il y a eu un peu plein de discussions, parce que déjà, on voulait partir à deux. On était aussi classé avec tous les gens qui étaient dans le top du classement, parce que souvent, quand tu choisis le top du classement, enfin, quand dans le top du classement, tu vas en Asie et notamment en Corée et tous les pays qui étaient fermés. La question s'est aussi posée de pas partir en échange, sauf que le problème c'est que moi je compte demander l'alternance et il faut que j'ai fait 6 mois en échange avant. Donc voilà, c'était un peu compliqué parce qu'en plus on venait d'emménager dans un appart. Comme vous l'avez vu, vous avez été beaucoup à me demander mais pourquoi t'as changé d'appart, non et tout. Sauf qu'en fait je me suis retrouvée un peu au pied du mur parce que je m'étais dit bah au pire la Chine ça saute et on reste un an dans l'appart, pas de soucis. Sauf que j'étais obligée finalement de faire mon échange avant l'alternance. Donc voilà, il y a eu pas mal de discussions, mais en fait pas tant que ça parce qu'on n'avait pas tellement de choix. Donc on pouvait partir à Cordoue, à côté de Milan et à côté de Séville. Sauf que le problème c'est que Milan et Séville c'était à 1 heure les campus. Je vous avoue que je suis quelqu'un qui a tellement vite mal au cœur que je me disais je peux pas faire 1 heure de trajet tous les matins. Je l'ai fait tout mon lycée, c'était une horreur. Et ensuite Cordoue, moi je connais et j'avais vraiment envie de découvrir une autre culture et tout, enfin vraiment des pays que je connais pas. Petit plot twist, le jour même de l'amphi de départ où on devait choisir, voilà, la Chine me répond enfin à mes mails et me dit vous pouvez faire les cours à distance. Donc là, comment vous dire que c'était la joie, pas de faire les cours à distance parce que les cours à distance c'est très chiant, mais de se dire ok, on a plusieurs possibilités, on peut soit partir en Europe, voilà, sur un campus, soit faire les cours à distance de la Chine et donc voyager. Là, nous arrivons à la partie intéressante de ce vlog. Nous avons décidé de réaliser un gros projet. Je vous avais dit, oui, j'ai un gros projet en tête et tout. Il y a des gens qui s'attendent à des trucs de malade, mais moi, c'était déjà gros pour moi. Un gros voyage. Je suis jamais sortie de l'Europe, voilà. Donc, vraiment, c'était une opportunité incroyable. Je vous avoue qu'on en a discuté et tout, parce que la solution de confort, c'était vraiment de rester dans notre appart à Lille, qui nous plaisait bien, avec nos potes, machin, et de pas bouger de Lille et de suivre les cours à distance de Lille. Donc je vous propose de faire un petit peu de suspense là et de pas encore vous dire où nous allons partir, quand nous allons partir, pourquoi nous allons partir. Mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous dire au fur et à mesure du vlog. Quand vous aurez terminé ce vlog, vous saurez exactement nos plans, où on part, nanana. Mais donc pour tous ceux qui se demandaient, oui je suis encore avec mon mec, ne vous inquiétez pas. Juste voilà, ça explique pourquoi on a rendu notre appart, qui était très cool, mais il y avait un bémol, c'est que comme pour mon ancien appart, je pouvais très peu l'aérer parce que j'étais trop petite pour ouvrir les fenêtres et les refermer, et mon mec aussi. Et ça posait énormément de problèmes parce que je suis très allergique à la poussière, de plus en plus chaque jour. Et ce qui fait que, voilà, même si je nettoyais tout le temps et tout, je pouvais pas aérer. Donc j'espère que à l'endroit où on partira, je pourrai aérer souvent, mais normalement ça ira. En vrai, Noémie m'attend, donc là on va finir de se préparer. On va partir chez Noémie et peut-être qu'en trajet ou durant la journée, je vous raconterai la suite. Mais restez vraiment parce que ça va être très cool.
Voilà, je pense que je croise les doigts et j'en ai pas du tout encore parlé sur YouTube, donc si vous êtes à ce stade de la vidéo, vous pouvez faire quelques petites suppositions. Oh, la belle vie, sans amour, sans soucis, sans... Donc là, nous sommes presque arrivés chez Noémie. Hello les gars, alors là on est rentré depuis pas mal de temps. On a passé l'après-midi avec Noémie, donc c'était assez cool. On a mangé chez elle et j'ai pris des photos que je vous ai mis juste avant normalement. Je suis allée chercher un colis vintage, je vais vous montrer. Voici un petit t-shirt qui est très très cool. Je l'ai pas encore essayé, mais je l'ai payé genre 3-4 euros. Donc c'était sympa. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur Vinted, je me fais de la pub. Je le mettrai là ou là parce que je mets pas mal de vêtements là, vu que bien nous allons partir. Et aussi sur mon TikTok si vous voulez, parce que je partage de plus en plus dessus. Donc voilà, très cool. Et on va aller manger et après je pense que je vous expliquerai où on va partir. Ok les gars, donc là on est beaucoup plus tard et je me suis dit que j'allais me poser pour vous raconter un peu ce qu'on va faire. Donc comme je vous l'ai dit, on a décidé de faire les cours à distance depuis la Chine. Et on a décidé de partir en Asie. Notre première idée était Bali, parce que Bali, ça a l'air hyper cool pour les créateurs de contenu. Donc c'était sur le même fuseau horaire que la Chine, donc c'était plutôt pratique. Et aussi, bah, là-bas, la vie est pas hyper chère. Et voilà, moi j'ai regardé plein de vidéos sur Bali depuis hyper longtemps, donc j'avais hyper envie d'y aller. Sauf que quand on a commencé à se renseigner au niveau des visas et tout, c'est vrai que sur YouTube on voit de ouf l'aspect paradisiaque de Bali, mais c'est pas du tout simple, surtout avec le Covid, d'y aller. Et surtout les visas touristiques, ils sont actuellement pas accordés aux Français. Et en plus, dernier point, c'est qu'il y avait une grosse quarantaine, et il faut savoir que les quarantaines qui sont certifiées par les États et tout, ça coûte souvent très cher, et bah, j'avais pas les thunes, et je non plus. Pour faire ces quarantaines, on s'est tourné sur un autre choix. Donc on a réfléchi à un autre pays qui serait en Asie, donc pour que ce soit plus simple pour nous de suivre les cours à distance. J'avais envie de découvrir l'Asie, je sais pas si vous le savez, mais je devais faire un projet de base compagnon au Laos, donc avec les scouts, ce qui s'est jamais fait, donc je l'avais un peu déçue par rapport à ça. Et on a décidé donc de partir en Thaïlande. Alors pourquoi la Thaïlande? Parce que elle est partiellement ouverte, enfin dans le sens où tu peux faire des sortes de quarantaines un petit peu libres. Si vous voulez, j'en parlerai un peu plus pour les personnes qui sont intéressées dans mes vlogs et j'expliquerai comment on a fait. Et donc ce qui nous permettait de faire la quarantaine à deux sans être mariés et donc de pouvoir partir et visiter la Thaïlande. Donc on a fait les demandes de visa, on a fait les demandes complémentaires et tout par rapport au Covid. Et si elles nous sont accordées, on part en février en Thaïlande pour 3 mois. Et après on essaie de faire un road trip en Asie, enfin de bouger en Asie en fonction de ce qui est ouvert jusqu'à bah, normalement juillet. Et après l'année prochaine je vous en parlerai parce que je retourne pas encore à l'école non plus. Donc j'ai hyper hâte de découvrir la Thaïlande parce que je trouve que c'est pas forcément un pays dont les gens parlent énormément sur YouTube. Enfin je suis tombée sur très peu de ressources et de vidéos. Donc j'ai hyper hâte de découvrir complètement ce pays. Voilà, donc normalement on commence par le sud, c'est-à-dire les îles un petit peu paradisiaques et tout, et ensuite on monte sur Bangkok et on fait plutôt le nord de la Thaïlande. Je vous expliquerai tout ça, enfin j'essaierai vraiment de vous vlogger au maximum, de vous emmener au maximum avec moi, bah voilà, pour déjà vous faire découvrir la Thaïlande à travers mes yeux, et aussi parce que j'ai trop hâte de pouvoir créer du contenu différemment. Et je pense aussi que j'aborderai aussi la partie bah, cours à distance, parce qu'on en a pas mal parlé, on m'a demandé d'en parler un peu plus sur ma chaîne et tout, pour peut-être vous donner quelques tips pour réussir à pas décrocher si je ne décroche pas. Et pour voilà, peut-être voir quelles sont les possibilités en tant qu'étudiant pour voyager, parce que
bah, je pense que ça intéresse pas mal de monde et que je pense qu'il y a plein d'options dont tout le monde n'est pas forcément au courant, donc voilà. Ça explique pourquoi là on n'a actuellement pas de domicile, enfin à part qu'en gros on est chez nos parents et tout, c'est parce que on n'allait pas garder notre appart un mois sur l'île pour rien, parce que ça fait clairement des dépenses économisées et c'est ça qui permet de financer les billets d'avion. Je vous parlerai aussi des dépenses et tout qui sont liées au voyage, parce que malheureusement à cause du Covid il y a plein de trucs à payer en plus, mais je me dis que peut-être que ça peut intéresser des gens, parce que le fait de passer par toutes ces épreuves, on va dire épreuves entre guillemets, ça permet de vraiment comprendre le processus pour pouvoir aller dans les pays d'Asie. Donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez un peu la Thaïlande, si vous avez des coins à conseiller, si quel pays vous aimeriez visiter vous aussi, et si vous partez pour vos études, comme je sais qu'il y a beaucoup de gens qui partent au S2. Donc voilà, là on va continuer notre petite soirée, je pense qu'on va regarder une série. D'ailleurs il y a Euphoria qui a recommencé et les épisodes ils sont incroyables. Je suis allée où chez vous, est-ce que je suis droite, est-ce que je suis femme ou juste fou. Tant de sacrifices, tout ça pour nous. Je l'entraîne plus loin vers un fou, je passe une sur le fou. Il est presque minuit, j'ai bossé sur mon montage, mais j'ai surtout fait de la colorimétrie. J'ai pété un câble sur la colorimétrie parce que je voulais que ce soit parfait, mais j'avais du mal. Sinon, en tout cas, j'espère que vous kiffez les petits vlogs comme ça, retour à la maison. Je sais pas, dites-moi en commentaire s'il y en a qui me suivent depuis que j'étais au lycée, enfin qui me suivent depuis le lycée, parce que peut-être que le décor vous dit quelque chose. Vu que je filme dans le studio dans lequel j'ai passé ma terminale, je vous ferai peut-être dans les futurs jours et tout, quand je ferai d'autres vlogs, petit room tour. Là ça va pas être le cas parce que c'est vraiment très mal rangé et qu'il fait nuit, donc c'est pas très stylé, mais voilà, je pourrais vous faire un petit room tour. Mais ça me fait rire de revenir à Rouen, retrouver un peu une petite routine à Rouen, et j'espère en tout cas que vous aimez et que ça vous rappelle vous aussi des souvenirs pour ceux qui étaient là à l'époque. Donc voilà, là je vais me démaquiller et je pense que je vais bientôt aller me coucher. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de faire un petit vlog très très simple, un peu papotage, pour vous raconter tout ça. J'ai hyper hâte de partir en Thaïlande parce que, j'ai très hâte de partir en Thaïlande parce que je vais pouvoir vraiment enfin vous partager du contenu en voyage, parce que c'était le but principal de ma chaîne quand je l'ai créée il y a plusieurs années. Et donc je suis hyper contente de enfin pouvoir voyager. Vivre un peu mon rêve. Ok les gars, donc là je pense que j'ai terminé le vlog. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé ce format de petit vlog journée avec moi. Si vous avez envie que j'en fasse d'autres. Vous êtes actuellement sur Jules, donc si Jules bouge, vous mourrez et je meurs en même temps. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner à mon compte Instagram, à mon compte TikTok, à ma chaîne YouTube, ça commence à faire long. Vous pouvez même me rejoindre sur LinkedIn si vous voulez, je suis accro à ce réseau social maintenant. En tout cas, j'espère que de votre côté, la rentrée s'est bien passée. N'hésitez pas à me dire quel type de format de vidéo vous voulez voir ces 3 futures semaines, parce que je peux faire plein de vidéos. J'espère que vous aurez aimé. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. On espère en Thaïlande. Bye la mif.